qui sont dans le laboratoire aujourd'hui sont en formation de BTM pâtissier. C'est une formation sur 2 ans. Ce sont déjà des jeunes qui ont déjà un CAP pâtissier obligatoire. Plus, généralement, ils ont une mention complémentaire pâtisserie. Et là, ils viennent sur 2 ans faire un BTM pâtissier. Donc, il comprend aussi bien la pâtisserie, tout ce qui se voit en pâtisserie, en glacerie, en chocolaterie, et confiserie et traiteur. Ils passent à peu près au CFA donc une semaine sur tous les 3 semaines. Sinon, le reste du temps, ils travaillent chez leur employeur. Ils sont considérés comme un peu comme un salarié, donc 5 semaines de congé donc, sur l'année. On a travaillé sur un livre créé par un meilleur ouvrier de France pâtissier, donc Jean-Michel Perruchon, qui est sur Paris, qui tient une école de pâtisserie. Et chaque apprenti a choisi 2 spécialités du livre en petits gâteaux et il devait le reproduire à l'identique. Voilà. On retrouve tous les parfums, on retrouve aussi bien à la vanille, au citron, à la framboise, au chocolat, des mélanges de fruits exotiques, chocolat, framboise, passion, etc. etc. En fin de compte, il n'y a pas un seul gâteau qui est identique à l'autre aujourd'hui. Ils ont tous fait des gâteaux différents.